qui sont excités. Comme? Oui, eux. Mais oui, pas excités. Wow. Une nouvelle danse qu'il y a. Tu vas laver, ta vite! Tu vas laver! Comment ça va, Michel? Ça va super bien. Ça a l'air! Quoi? C'est ta version d'Olivier Guimond? C'est quoi, ça? Il perd mes dents. Pour aucune raison. Olivier... La mère! OK. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon Michel? Rien. Absolument. Ah, tout s'explique dans ce cas-là. Ouais, monsieur. Il paraît que t'es allé en vacances il n'y a pas tellement longtemps. Ouais. Où es-tu allé? En Jamaïque. Oh, comment c'était? C'est pas la fun. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de toi là-bas en Jamaïque? Je veux dire... Est-ce que c'était ton premier passage en Jamaïque? As-tu dansé pendant que tu étais en Jamaïque? Non. Ah, fais-le bien. Oh, attention à la belle-mère. Ça me baisse à crier, ça. Et t'étais allé en vacances ou avec ta famille? Avec, Non, je suis allé en vacances avec un de mes amis. Oh, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous en avez profité pour faire quoi? Faire beaucoup d'exercices. C'est vrai que t'es... Ah, ça a passé. Non, pas de bonne merde. C'est vrai que t'es... C'est vrai que t'es le genre de gars qui bouge pas beaucoup, tu sais, qui n'est pas beaucoup d'énergie. Non, moi, non. Non. Pas du tout. Alors... Hey, on s'est amené de là-dessus, Non, on n'est pas. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé de beau en Jamaïque, Michel? Des costumes de bain. Super beau, la Jamaïque. Oui, super c'est beau, certain. J'ai fait de la plongée, j'ai fait du ski nautique, j'ai fait même pas vrai. Pourquoi je compte ça? Je n'ai même pas été en vacances. J'ai même pas été en vacances. Non, pas de farce. T'es allé ou t'es pas allé? J'ai pas été. T'es pas allé? Mais non. Il y a personne de l'impôt qui écoute. Ah, OK! OK. Je suis allé deux semaines, finalement. Tu peux dire. De toute façon, ça fait un petit bout de temps, à moins que je ne sache pas exactement ce qui se passe dans ta vie, ça fait un petit bout de temps que tu prends ça un peu plus mollo, là. En tout cas, ici, parce que t'as été beaucoup en Europe, là. Ouais, là, j'ai pris une sabbatique parce que j'étais un petit peu à bout de nerfs, je pense. C'était pas assez, là, quand j'ai fini le festival... En anglais, là, ça a été bien de la pression, puis il était temps que je prenne une sabbatique, là. Il était temps que je me repose. Là. Et là, on voit déjà depuis ton entrée que ça va beaucoup mieux. On voit le résultat! Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Wow! Mais, et ce dont on se doute pas, je sais pas si on s'en doute vraiment, mais ça a été un méga succès, ce qui s'est passé en Europe. Je t'as vendu ton show dans quoi, combien de pays? 30 pays, 25 pays? Plus que ça, si on compte les districts et les centres-villes. Non, ben là, on parle... je pense que c'est ça le pays où j'ai pas été... c'est l'Angleterre. J'aurais bien aimé aller jouer là-bas. Et il n'est pas trop tard, tu pourrais toujours y aller? Non, il n'est pas trop tard pour aller boire une petite tasse de thé. Pourquoi pas? Et tu sais que je regarde ça, ton nouveau look de... Monsieur Glad! C'est comme ça que ça s'appelle? Ça devrait marcher, ça, en Angleterre. Je veux dire, ils font un peu... Ils sont funky, mais non, moi, en fait, je me suis fait bleacher les cheveux parce que je voulais pas me faire connaître dans la rue. Ça a marché, mais là, je viens de brûler mon punch un peu. Mais oui, parce que quand ils me voient, ils font « Hey, le bonnet! » Mais non, j'avais fait ça juste pour passer un peu plus inaperçu dans la rue. J'avais besoin de calme un peu. Ça a-tu vraiment marché? Ça a vraiment marché. Et... Depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Vraiment, c'est ça! Ça arrive juste à pas que ça aille mieux parce que tu vas faire au moins un gala, je pense, en cet été. Est-ce que je me trompe? Ouais, j'en fais un. Peux-tu nous dire c'est quoi le concept du gala? En fait, il n'y a pas d'animateur. C'est ça le concept. OK. C'est le bordel.
Il y a personne qui sait rien. Tout le monde est fucké. Tu vas les perdre. Tu vas les draguer. Tu vas les draguer. Non, non, c'est vrai. Là, il y a Denis qui a fait la mise en scène. Oh, bravo! Là, le problème, moi, j'ai des biefs ce soir-là. Non, mais ça vaut la peine d'avoir des bidiquettes. Parce que, non, ça vaut la peine d'avoir des biefs parce que c'est un soir qui va être complètement pété. Ça va être bien pété. Ça va être vraiment à l'image du festival cette année. Qui sont complètement perdus en ce moment. Ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a de quoi, écoute, c'est les 15 ans. Moi, je sais ce que je fais. Es-tu seul dans ce gala-là où tu as de la visite? Dans ce gala-là? Oui, ce gala-là. Ce gala-là! Merci, maman. Non, je serai pas tout seul. En fait, ça va être. Il va y avoir comme plusieurs animateurs sans en avoir. Tu regardes-tu mes mains? Tu dors. Je suis complètement. Et je pue! On est sur en onde. Est-ce qu'on répète? Oh, on est okay. En onde, Michel. Oh, oui, qu'est-ce qu'il y a? On est. Oh, Jean-Claude, mais. Celui qui m'a donné mon chèque tantôt. Imagine si t'étais fiévreux ce soir. Imagine. Ben, en fait, ce soir, j'ai un petit peu atteint. Pour ça, je suis pas en forme. Imagine! On va sortir les bananes et on va revenir dans quelques instants avec Michel et Michel. C'est Vincent Lisdion qui va aussi animer, je pense, un des galas. On pourrait y en parler tout à l'heure. T'étais sur le point, avant l'attaque, les convulsions, là. T'étais sur le point. Attention, pas qu'il avale sa langue. Du stock à avaler. T'étais sur le point de me dire qui participait au gala avec toi. Ben là, ceux qui travaillent sur le concept, il y a Martin Petit, Maxime Martin. En fait, c'est tous les gars de Zone Interdite. Oh, oui. Donc, ça va être un Didier peu Lucien. Borderline. Ça va être un peu... Ça va être... Ben, comme tu dis, borderline. On the borderline. Ouais, ça va être bien borderline. Ça va être bien le fun. Si je me trompe pas, là, ça va être comme la première fois que tu retravailles à plusieurs. Mais ça, tu avais pris une décision, toi, jeune, que c'était terminé de travailler en groupe, là, que tu allais faire une carrière. Ouais, c'est ça, j'ai quitté ma famille. Mais non. Moi, travailler tout seul en groupe, j'aime bien ça. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai fait la tournée 2 ans et demi avec les monstres de l'humour. Oui. Après ça, bon, je suis tombé tout seul un peu par accident. J'ai aimé tomber tout seul après, mais là, travailler en groupe, ça me dérange pas du tout. Ouais. Puis je dis ça, dans le fond, c'était une large exagération, parce que je t'ai vu aussi travailler avec d'autres dans des galas, faire de l'improvisation, des choses comme ça. Fait que ça doit être le fun, ça. Non, c'est... Je lisais aujourd'hui que le début, ce qui t'a inspiré à faire ce que tu fais, c'est un show de mime que t'as vu quand t'avais quel âge? Ben, peut-être 8 ans, à peu près. 7, 8 t'étais ans, normal, j'imagine, à cet âge-là? Ouais, j'étais pas encore sous médication. C'était pas commencé. Je prenais pas de médicaments à cette époque-là. Ouais, c'est un spectacle que j'avais vu au Centre de la Nature. J'avais 8 ans. Ça fait à peu près 12 ans d'être ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Et c'est un show de mime de Claude Saint-Denis. Et en revenant à la maison, j'ai tout refait son spectacle au complet. Et puis je le refaisais à tous les Noëls à la maison. Je le refaisais devant mes parents, ce spectacle-là. Ouais. Et puis, bon, après ça, je me suis mis à écrire mon propre matériel à 10 ans. Puis, à 12 ans, j'étais en tournée. C'est n'importe quoi! C'est correct? C'est comme ce que t'as raconté sur la Jamaïque. Écoute, ouais. Les gens voudront plus y aller en Jamaïque. J'espère. Ils vont penser qu'il y a quelque chose dans l'eau. Ouais, justement. Sur le point de bord. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Après les galas là, cet été, ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Des nouveaux shows? J'arrive pas à mettre quelque chose dans ma colonne projet. Il y a plein de projets sur la table, mais tu sais, j'ai aucun contrôle sur rien. Quand je faisais de la tournée, quand c'est j'ai... tellement vrai, ça. C'est même tellement pas vrai. Sur moi, tu sais.
Les gars sont prêts. T'es prime. Tous ces stéroïdes. Ah, come on! Et puis... OK. Fait que... non, là, ce qui s'en vient, c'est que je vais aller à Los Angeles cet automne. Probablement, je tourne un film printemps prochain à Paris. Peut-être un sitcom aussi à Los Angeles. Donc là, il y a... Oui, oui. C'est quoi ça, le sitcom? Le sitcom, c'est un comédie. Non, 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 c'est quoi? C'est l'humour un peu non, américain. Je sais, c'est... je sais c'est quoi, je vais dire. Ils sont assis, puis ils comme. Je sais, c'est quoi, je veux que tu me poses que toi, c'est quoi le ah, ben, c'est un projet qui est sur la table. C'est Peter Lankov, un gars qui a écrit des sitcoms là-bas, qui a décidé d'en écrire un sur moi. Sur mon personnage. Oui. Sur le fou. Et puis, j'ai un band comme ça qui me suit partout. Là, j'arrive dans mon dépanneur, comprends-tu? Puis là, j'ai du pain! Ah! Du lait! Fort ton café. Fort ton café. Fort café. Hey, fort le café. Hey, papi, papi. Les ratés! Les ratés! Que ça sera pas reposant, ce sitcom-là. Non. Mais ça, c'est-tu en voie d'être fait? Ça va-tu se... Ouais, ouais. Parce que c'est tout mouillé! C'est tout mouillé, ce choix. Imagine si on pliait dans l'autre sens. Ça serait beau encore. Qu'est-ce qu'on va dire à Lise quand elle va arriver, là? On va dire assieds-toi! On va être obligé d'expliquer ce qui s'est passé. Et le film à Paris, c'est quoi? Le film à Paris, c'est une comédie basée sur l'Internet. Et j'ai le deuxième rôle dans ce film-là. Et qui est le premier rôle? On sait pas encore. L'Internet, c'est quoi? C'est un film, c'est un couple qui tombe en amour par Internet. OK. Et puis, moi, je fais le gars qui tombe en amour avec la fille. Elle a fait la fille qui tombe en amour avec le gars. C'est bon! Et puis, par Internet, on se trouve à tomber en amour. Ça... C'est un peu redondant, là, franchement. C'est qui? C'est qui? Excellent. Qui? J'ai compris. On a tous les tubes bien compris. Il faut qu'on s'arrête à nouveau. Un drame psychologique, tu dis. Ce serait... Avec beaucoup de belles. Beaucoup d'images. Beaucoup de personnages. Moi, j'ai déjà vu des diaporamas, mais... Ha 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 ha.